Une scène a retenu l'attention, on y a vu le député des Français d'étrangers vous parler, vous invectiver, puis faire une accolade à Jordan Bardella du RN, interroger Meyer Habib Assoum. Il ne devait pas cette commémoration. Il raconte vous avoir dit que vous n'aviez aucune dignité. Mais il ne s'agit pas d'un hommage privé, madame. Il s'agit d'un hommage national. Et dans un hommage national, je pense que c'est normal que les différentes formations politiques soient associées. Quant à M. Habib, j'ai vu que depuis cette scène, il a fait le tour des plateaux de télévision pour essayer de faire parler de lui. Moi, il me semble que quand on rend hommage à des victimes, le sujet n'est pas de parler de M. Habib, c'est de partager le chagrin, la souffrance. Et je suis soulagé, je vais vous dire, que les provocations de ce monsieur n'aient pas entaché cette cérémonie qui me semble était une cérémonie extrêmement touchante, extrêmement émouvante. Vous lui avez-vous répondu ? Je ne lui ai rien répondu. Vous savez, ma grand-mère disait parfois « le silence est la meilleure réponse aux imbéciles ». Trippin' and falling.